Noël, d'être venu ici, d'avoir accepté cette invitation. Une projection de films qui vont se dérouler au Centre culturel espagnol, à l'Institut Goethe du Cameroun et à l'Institut français du Cameroun. Des organisateurs des festivals, justement. Parce que très souvent, on se dit, bon, l'organisation des festivals, ça demande tout juste d'inviter des gens, donc, bon, de sélectionner des films, mais derrière, il y a quand même tout un programme, toute une organisation aussi, disons, une politique vraiment de sélection de films qui correspond bien sûr à la motivation, au motif qu'on va choisir, qu'on se donne pour cibler un certain public, qui doit correspondre aussi aux attentes et aux besoins de chaque public, mais qui réclame également un grand savoir du cinéma duquel on veut vraiment traiter. Produit fini qui est déjà le film qui est prêt à être projeté sur une chaîne de télévision. En tout cas, comme dans toutes les affaires, c'est une affaire de contrat. Oui, c'est pourquoi je dis alors que moi je le paye. Le contrat, c'est que je prends l'argent, je le paye. Il écrit. De dire un grand merci aux jeunes équipes de Miss Make Binga, les organisateurs de festivals de films de femmes. Ça aurait dû être une dame qui parle à ma place, mais on n'en a pas de conseiller culturel, ni même de directrice de l'Institut. Il faut aller à Douala pour en trouver une. Donc, ben, tant pis, je prends la parole. C'est un peu violent. Beaucoup de harcèlement. La question de l'avortement, la question du veuvage, notamment au Cameroun. Vraiment des problèmes de genre cruciaux sont abordés. Merci encore d'être venu si nombreux et d'honorer comme ça la troisième édition du Festival Miss Make Binga. Je vais être très bref. Merci à vous, monsieur le délégué. Non. This fish is for us. No more photo fish business. Vous avez eu madame l'inspectrice des arts et du conseil de la culture. On espère que leur venue au festival va leur permettre.